Emmanuel Macron a mouillé la chemise. Ce dimanche 8 octobre, il s'est rendu sur la place de la République à Paris pour la deuxième édition de la journée paralympique, à 10 mois des Jeux paralympiques, qui débuteront 17 jours après les Jeux olympiques. Il en a notamment profité pour participer à un match de basket fauteuil avec quelques membres de l'équipe de France. Sportif, le président de la République a également échangé des balles de ping-pong avec les sportifs Lucas Créange et Marie Bochet, indique RTL. Par cette opération, Emmanuel Macron souhaite vraiment encourager tous nos compatriotes à acheter des billets. Et de poursuivre, demain s'ouvre la billetterie et cela va être des formidables moments de sport. Ces Jeux paralympiques vont nous permettre de voir de très grands athlètes, de grandes compétitions, vous avez plus de 300 athlètes qui seront là. Ce lundi 9 octobre, 2,8 millions de billets seront mis en vente. Premier arrivé, premier servi, a rappelé le président. Les prix varieront de 15 à 100 euros, hors cérémonie d'ouverture et de clôture. La moitié de ces billets sont à moins de 24 euros, tous les billets sont à moins de 100 euros, donc c'est une super occasion pour découvrir ces sports, a ajouté Emmanuel Macron. De son côté, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a déclaré que 300 000 billets pour les Jeux paralympiques seront distribués aux scolaires. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Selon Paris Match, l'État a acheté 400 000 billets, 100 000 pour les JO et 300 000 pour les Jeux paralympiques. On a beaucoup d'ambition pour ces Jeux paralympiques, a conclu Tony Estanguet, lors de cette journée. Bruno Le Maire, aussi dans la course des JO, Emmanuel Macron n'est pas la seule personnalité politique à se mettre en scène à l'approche des Jeux Olympiques. Il y a trois jours, ce jeudi 5 octobre, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui avait participé à une course à pied aux côtés de Tony Estanguet, à l'occasion du passage de la tournée des drapeaux olympiques à Bercy. Sur les réseaux sociaux, il avait partagé une vidéo où ses abonnés avaient pu le voir s'élancer dans la course. On prépare les JO avec les agents de Bercy, avait-il écrit en légende. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Eric Chaenpoul.